Bon, là, je suis toute seule et je suis complètement du père. Au moment où je dis ça, je trouve l'ascenseur. Voilà ma petite tenue aujourd'hui. Et j'ai le McDo, les gars, ce McDo-là. On a mangé McDo dans notre chambre hier. On n'a pas jeté le McDo et j'ai eu envie de gerber toute la nuit. C'est toute la nuit, je me suis réveillée avec une envie de vomir parce qu'il y avait l'odeur du McDo dans toute la chambre. Je vais pas manger le McDo pendant je sais pas combien de temps, je vous préviens. Je suis écœurée. Et voilà Lyon. Super, c'est beau Lyon. Il n'y a qu'une rue. Je vous montre qu'une rue depuis le vlog d'hier. Bon, finalement, ils étaient au rez-de-chaussée, mais ils sont où ces guignols là? Et les guignols, vous êtes où? Sharon? T'es où? C'est en train de me troll, je crois. Salut Mout, t'as bien dormi? Super bien. Sharon? Et toi, t'as bien dormi, Tobias? Il a dit, il y a le prénom, c'est bien. Ouais. Je leur ai dit, je galérais à l'apprendre. Tu leur as dit à qui? On se dit tout. Tu leur as dit à tes... À mes amis. À tes amis de l'internet. Le fameux... Bon, du coup, là, on va à la part Dieu, car mademoiselle nous l'a conseillé. On attend le Uber, et vu qu'on peut pas être plus que deux par Uber, on doit prendre deux Uber. Les vacances vont nous revenir à 10 000 dollars. Dollars. Yeah. Dollars. Yeah. Yeah, you know, guys, yeah, we are in Taiwan. Non, en vrai, ça va nous revenir à... Dollars, Taiwan. Les idées se croisent, mais rien qui percute. Quoi. J'ai trop mal dormi. J'avais trop envie de redormir, mais je me suis dit quand même, je suis pas venue à Lyon pour dormir. C'est I'm sorry, but my Uber is right here. So oh, your Uber is here. Oh. We are going to take the Uber. Mine is a bit later. Later, you know. Like all the time, you know. En fait, je crois qu'il a des actions parce qu'à chaque fois qu'on prend le Uber en même temps, il l'a en premier et ça me fout le seum. Ok, c'est le Citroën Grand Picasso. Bon bref, on va à la part du coup. Okay, see you later, guys. See you later. Bon, on est venu ici juste pour manger. On mange des hauts sushis. Ça fait plaisir à Sharon. C'est bien. Donc, on a dit des makis, pas des sushis. Des sushis. Bah, les sushis, c'est pas bon. J'ai trop de viande. Trop de riz, je veux dire. Oui, mais c'est bien parce que tout le monde dit ça, c'est des sushis, tu vois. Ah non, c'est pas des sushis. Ça, c'est des makis, ça, les amis. Alors, les gars, si vous êtes intéressés, je vais prendre ça. Ça, le bloc de chou. On s'en fout. Et ensuite, je vais prendre ça et de l'eau. Je prends ça en fait. Je m'en bats les couilles. Ferme ta gueule toi, je t'aime pas. C'est à moi que tu parles. Ta gueule. Bon, vu qu'elle a pas pris de vêtements pour ce week-end, elle va tout acheter maintenant. Super. Merci Sharon. Go Bershka. Bon bah on va à Bershka. Elle a enfin des habits. Oui. Ah oh oui, je suis contente. Oh oui. Elle a des culottes lama. Oui. Oui. Ah oh oui. C'est vraiment des vêtements standards. Petit retour hôtel avant d'aller au parc de la Tête d'Or parce qu'on va poser ses affaires et qu'elle va se changer sûrement et que voilà. Du coup, j'arrête d'aller dormir vu que j'ai pas dormi cette nuit. Je suis très fatiguée là. J'en peux plus. C'est dur. Bon, on vient de rentrer. Effectivement, ce machin de merde marche pas, donc si on s'est gelé, bah, c'est parce qu'il n'est cassé. Du coup, avec Milk, on est quoi? On est... C'est au classé. On a un balcon vu sur la Tête d'Or. Ce soir, je vais dormir avec vous. Non, tu vas dormir. Ou pas. Ah mais non, ça enregistre. Salut les potes. On est avec... Alors là, c'est Amandine. Là, c'est le cul de Juliette. Et derrière, il y a Adèle. Attendez, vous allez voir. C'est trop beau. La nouvelle chambre. On en a juste ça vu. Oh, sur le petit lac quand même. Un lac. C'est vrai? T'es en train de mentir de ouf. What? C'est juste la même chose qu'avant. Ouais. Bon, c'est exactement la même chose quoi. Mais c'est quoi ce parc? T'as un lac, un petit vélodrome, un zoo, pelouse de coupole, parc... Mais vas-y. Bon les gars, hier
hier, finalement, j'ai pas trop filmé. On allait en soirée et on est rentré tard. Du coup, réveil tardif. C'est bon, moi j'ai pas trop vu parce que je conduis. Mais comme ça, aujourd'hui, je ramène les filles. On rentre à Montpellier et après, départ pour. Vous allez voir. Là, on est en bas de l'hôtel avec Sharon et Mout. Et Adèle, elle va descendre et vu qu'on rentre la chambre un peu plus tard. Bon, on paye pas, hein. Mais on lui fait un prank comme quoi on va payer 150€ en plus par chambre et elle est seule dans sa chambre. Donc là, elle va descendre et on a mis la meuf de l'accueil avec nous. Et elle va lui dire bon, il faut payer 150 balles. Et on va voir sa réaction. Vas-y, oh non, elle a encore niqué le truc. Sharon, c'est à moi de le faire. Bon, bah le prank a fail. T'étais dingue un peu quand même quand t'as appris. Mais c'est impossible. Rien. Tu m'en veux? C'est bien parce qu'elle a cru qu'on montait en plus. Non mais c'est pas possible par contre. Bah vas-y, va à la réception. Jamais tu payes 100 balles. Va à la réception. Non, faut que tu rentres ta carte. Hein. Ouais, je sais mais... Si tu veux payer 200 balles peut-être. Nous c'est passé, on a pleuré mais c'est passé maintenant. On assume. J'étais dans la douche, elle raconte sa vie pour pas payer plus. Elle a le 850 balles, elle lui a dit non. Oh, elle est trop cool la meuf. Elle a trop cher. Ses seins et tout. Ouais. Elle est pas trop cool, m'en voulait pas et tout, trop mignon. Bon, rassurez de Harry. Juliette, qui met des sens. Très important. Bon, je vais faire le room tour et après on va faire les explications. Première chambre. Avec une petite chaise. La chaise, elle est trop stylée. La salle de bain. La petite... Ça y est, tu te sens à l'aise? Non. Ah. Je vais vous expliquer pourquoi on ne se sent pas à l'aise. Le bordel qu'on a foutu. Je veux trop ces chaises chez moi. Une petite télé. Notre chambre avec carré. Parce qu'on est en couple. MDR. Et là, c'est la terrasse. La terrasse, j'aime trop parce que... Il y a un miroir. Voilà. Du coup, c'est tout. J'aime bien. Yes. Bon les gars, je vous ai pas trop filmé quand on est arrivé à Cannes parce qu'on a eu des emmerdes tout le long. On a pris un... C'était un appart. C'était quoi qu'on a pris? Il y a un problème plus grave. Quoi? Elle a oublié sa brosse. Non, c'est trop cette soirée, moi j'adore. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On avait pris un appart chez une meuf sur Booking. Il avait l'air trop bien et tout, sauf qu'on arrive là-bas et on voit que ça correspondait pas du tout aux photos. On a toute la journée essayé de contacter la meuf, elle nous a pas répondu. Et du coup on n'a pas pu rentrer dans l'appart quoi. Et vraiment l'appart, je vous jure, il fait trop peur. Je pense que je demanderai à Harry une photo et on vous affichera la photo sur le blog parce que vraiment. Et du coup on appelle Booking et tout, ils nous disent ouais on vous rembourse, sauf que vous devez vous démerder pour trouver un autre appart. Du coup on a galéré, là on a trouvé cet hôtel. Sauf qu'on arrive là-bas, elle nous dit ouais on n'a pas de clim dans votre chambre que vous avez commandé, donc on a un appart hôtel pour vous. Mais il est en dehors de l'hôtel, c'est dans un immeuble. C'est trop bizarre. C'est un peu bizarre le bail. En gros, elle a plusieurs appart hôtels dans un immeuble en dehors de l'hôtel. Mais bon, on dit ouais, on préfère quand même avoir la clim. Et du coup, on se retrouve ici. Je pense que quand même, l'appart hôtel est mieux que la chambre qu'on aurait dû avoir. Moi, franchement, j'y suis bien. Sharon, elle n'est pas de ouf, de mon avis. Elle n'est pas trop à l'aise, quoi. Hein, Sharon? Non. Je suis pas à l'aise. Parce qu'Eric, il y a un peu de traces dans son lit, c'est un peu bizarre. Mais c'est parce que les draps sont sales et que même malgré qu'elle les ait lavés, il y a un peu de traces noires. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit tu es chez toi, je ne suis pas chez moi. Du coup quand même, on est vivant. Non, on a eu que des bails chelous, je me rappelle aussi. Genre il y a un mec qui nous parle, il y a eu que des bails super bizarres ce soir. Mais au moins on est en sécurité dans cet appart, on a les clés, on a enfermé la clé. On a mis le petit crochet là pour pas que je rentre dans notre appart. Et là on se prépare et on va aller en ville voir Cannes de nuit. C'est une petite histoire, au final on se retrouve 2 heures après dans notre appart et on n'a pas pu bien profiter ce soir, donc voilà, on va sortir, on va aller boire un coup à Cannes et on va se changer les idées. Vous avez envie dans ma voiture? Arrête, tu veux pas que je le coffre? Elle est en dépression, ça fait une demi-heure, enfin même plus, une heure, que Ariel essaye de prendre des photos avec son iPhone. Elle pète un câble parce qu'elle a payé un iPhone mais elle arrive pas à faire de belles photos. Ça me saoule.
On a le logo de Tinder là-haut. Sauf que j'ai une anecdote. S'il y a des gens qui me regardent, du coup, je suis gênée. Je vais la dire plus tard, les gars. Pour l'anecdote, en gros, hier en soirée, Ariliane et moi, on a eu l'idée de me créer mon premier compte sur un site de rencontre. J'ai jamais fait ça. Sauf que j'avais 5% de batterie. Donc, en fait, au final, j'ai eu le temps de répondre à deux personnes. Genre, elles matchaient tout. Hein. C'est juste pour rigoler quand on a fait ça. Mais j'avais plus de batterie. Le lendemain, au réveil, j'allume mon téléphone. Et je vois que je suis ban de Tinder pour usurpation d'identité. Bah c'était réellement moi les gars. Et du coup, genre c'est mon numéro de téléphone qui est ban. C'est-à-dire que je ne pourrai plus jamais utiliser Tinder. Yes, j'adore. De toute façon je n'utilise pas Tinder et tout, donc au final je m'en bats les couilles, tu vois, c'était juste pour rigoler. Mais ça m'a surpris quand même qu'en quelques heures, je sois ban définitivement de Tinder quoi. C'est bizarre. Bon du coup je vais aller marcher sur le tapis rouge les gars pour parce que ouais non je suis personne en fait. Oh il y a des mains. Ah bon c'est moche. Ah ils ont voulu faire comme Hollywood mais ouais, c'est horrible. C'est Hollywood Boulevard là. Ah homme sweet. Home. Du coup les gars, je pense qu'on va arrêter le vlog ici et on va se retrouver demain. Demain on part à Nice et le soir on va aller à Monaco. J'ai trop hâte, ça va être cool. Et demain. Si on a encore envie lol. Non voilà, du coup je vous laisse là. Passez une excellente nuit, soirée du coup vu que c'est 20h. Et à demain. Bonne nuit. Bye. Oh,